du numéro 7, Rêve un peu, qui a pris la direction de l'épreuve. À son extérieur va venir Palo Dancer. On a également un excellent départ pour Bipe the Dust, le numéro 10 qui vient en troisième position. Nous avons juste derrière le numéro 13, Key of Journey. Derrière Lichline, également le numéro 4 est bien placé pour le moment, accompagné de Path of Hope. La casaque noire, grande mascotte, le 14, venant en 6-7e position. Dans le premier tournant, c'est le numéro 15, Palo Dancer, qui a maintenant les commandes. Rêve un peu est en deuxième position, devant le numéro 10, Bipe the Dust, qui galope troisième à trois quarts de longueur du numéro 7, Rêve un peu. Lichline est bien calé quatrième en dedans. À son extérieur est venu Key of Journey, le numéro 13. Toujours Palo Dancer qui anime l'épreuve, mi-piste pratiquement. Rêve un peu est en dedans en deuxième position, devant Bipe the Dust. On a quelque peu ralenti. À l'extérieur, Path of Hope se rapproche. Lichline, grande mascotte. À côté de grande mascotte, galope le numéro 3, Highbury. Derrière, nous avons Mitchell avec le 12, Sordouille. Le 5, H2O. Derrière H2O, galope le numéro 8, Miss Fantastica. Les concurrents qui abordent le tournant. Et dans quelques instants, une dernière fois, la ligne opposée. Palo Dancer et Rêve un peu, qui semble avoir beaucoup de ressources. La monte de Michael Forest côté corde. Bipe the Dust, Lichline sont ensemble devant le numéro 13, Key of Journey. Passe au Hope, grande mascotte. H2O, Highbury, Mitchell qui accélère. Miss Fantastica devant le numéro 11, Sabionga. Avec Rêve un peu, qui a toujours l'avantage. Palo Dancer en deuxième position. Les attaques commencent à venir, et notamment du numéro 3, Highbury. On accélère pour aborder le tournant final sous la conduite de Rêve un peu, qui a repris les commandes à Palo Dancer. Bipe the Dust vient également sur la ligne de l'animateur. Highbury est là, Lichline devant Key of Journey, accompagné de Passo Hope et Mitchell. On va sortir du tournant pour aborder l'entrée de la ligne d'arrivée. Le numéro 7, Rêve un peu, a repris l'avantage. En deuxième position, Bipe the Dust. Highbury qui lutte maintenant pour la victoire avec Lichline, qui est suivi de Passo Hope qui vient complètement à l'extérieur. À mi-ligne droite, Passo Hope qui vient sur la ligne de Highbury. Lichline et Rêve un peu qui vont lutter. À quelques mètres du poteau, c'est Passo Hope, le numéro 2, qui va s'imposer. La deuxième place pour Highbury, la troisième pour Mitchell, la quatrième pour Lichline.